La Cour suprême du Kenya a commencé lundi à examiner sur le fond le recours pour irrégularité déposé le 18 août par l'opposant Raila Odinga. L'opposition conteste la réélection de Uhuru Kenyatta, déclaré vainqueur le 11 août avec 54,27% des voix, contre 44,114% à Raila Odinga qui se représentait à 72 ans pour la quatrième fois après avoir déjà échoué en 1997, 2007 et 2013. Que sur l'autorité de Maina Kyei et de la loi, la base sur laquelle est déclaré le gagnant d'une élection présidentielle est le résultat tel qu'annoncé au bureau de vote. La question sera donc posée plus tard, sur quelle base l'IEBC a-t-il annoncé le gagnant le 11 août, alors que le 14 août, il ne disposait pas de tous les formulaires 34A. L'annonce de la victoire de Kenyatta avait déclenché deux jours de manifestations et d'émeutes implacablement réprimées par la police dans des bidonvilles de Nairobi et dans l'ouest du pays, des bastions de l'opposition. Selon son argumentaire écrit pour l'opposition, le scrutin présidentiel a été si mal conduit et entaché de tellement d'irrégularités qu'il importe peu de savoir qui a gagné ou qui a été déclaré vainqueur. If an election is not conducted in accordance with the Constitution. Si une élection n'est pas menée conformément à la Constitution, les autorités ne doivent pas regarder les résultats en termes de chiffres ou de votes obtenus par les candidats respectifs. La Cour suprême du Kenya, composée de 7 juges, dispose désormais de 14 jours à compter de ce lundi, soit jusqu'au vendredi 1er septembre, pour rendre son avis qui est définitif. Soit la Cour valide l'élection et Kenyatta sera investi une semaine plus tard pour un second mandat de 5 ans, soit elle annule le scrutin et l'IEBC disposera de 60 jours pour organiser une nouvelle élection présidentielle. Le principal parti de l'opposition angolaise, l'UNITA, a continué à contester samedi la victoire du parti au pouvoir aux élections générales en menaçant de saisir la justice si le régime persiste, selon lui, à manipuler les résultats. Selon les résultats quasi complets publiés vendredi par la Commission nationale électorale CNE, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola MPLA, au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975, a recueilli 61,1% des suffrages et devrait détenir 150 des 220 sièges du Parlement. Nous n'avons pas accepté que le vote populaire soit volé. Et nous sommes en train de dire qu'il faut que les résultats représentent réellement l'expression populaire. Je le répète, si le MPLA gagne, avec preuve, nous allons l'accepter. Mais nous demandons aussi que si le MPLA perd, il doit aussi accepter parce que c'est la volonté du peuple. Nous allons porter plainte au niveau des tribunaux, mais de l'autre côté aussi, demander le peuple. Voilà. Donc là, nous avons la justice qui se considère suprême, que le peuple souverain. L'opposition refuse les résultats proclamés par la CNE, jugeant qu'elle n'a pas respecté les procédures. Ce succès doit faire de son candidat João Lourenço, l'ex-ministre de la Défense âgé de 63 ans, le successeur à la tête de l'État du président José Eduardo dos Santos, qui a décidé de prendre sa retraite après 38 ans d'un règne sans partage. Les élections se sont déroulées alors que l'Angola, pays à la population très pauvre, se débat depuis 3 ans dans une grave crise économique causée par la chute des prix du pétrole, sa principale source de revenus. John Young possède le plus grand élevage de rhinocéros au monde, 1500 pachydermes qu'il doit protéger des braconniers. Chaque semaine, il fait appel à un vétérinaire pour couper les cornes des bêtes. Il veut ainsi décourager les criminels payés par de riches mafias qui alimentent le marché clandestin de la médecine traditionnelle asiatique. Il dépense en plus 150 000 euros par mois en frais de sécurité, des hommes lourdement armés patrouillent en permanence dans cette réserve à 2 heures de Johannesburg. Ce que je fais ici n'a rien de rentable pour moi. Les coûts sont trop élevés. Il n'y a qu'une façon pour moi de financer ces coûts, c'est de vendre mes cornes de rhinocéros et utiliser cet argent pour les protéger. Donc, les gens qui m'empêchent de vendre les cornes et de protéger mes animaux pourraient aussi bien s'allier avec les braconniers parce qu'à terme, ils vont tuer mes rhinocéros. Après une longue bataille judiciaire, John Hume a récemment obtenu l'autorisation de vendre ses cornes de rhinocéros sur le marché sud-africain uniquement.
L'éleveur a donc créé un site web de vente aux enchères sur 3 jours, un site disponible en mandarin et en vietnamien. Pour acheter un lot, il faut disposer d'un permis et le gouvernement n'en a toujours pas délivré. Pour John Hume, vendre les cornes légalement est le seul moyen de sauver l'espèce. Mais certains défenseurs de l'environnement voient dans cette nouvelle légalisation une atteinte à la protection des rhinocéros. Tout ce qui intéresse John Hume, c'est l'argent. Il profite des failles de la loi pour élever et vendre des rhinocéros. Ces animaux devraient être protégés au lieu d'être considérés comme des produits de consommation. C'est scandaleux. L'Afrique du Sud abrite 80% de la population mondiale de rhinocéros. Mais le braconnage a explosé. Plus de 1 000 d'entre eux sont tués chaque année dans le pays depuis 2013.